Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Sport. Alors, on se retrouve avec notre petit véhicule pour récupérer les nids d'épices. Si vous connaissez pas Sport, en fait, c'est l'espèce de ressources qu'on vient récupérer un peu partout et qui nous permet de gagner un peu d'argent. Vous pouvez appuyer ici pour faire des véhicules. Hop, et du coup, il suffit de les envoyer après chercher un peu les épices particulières comme celle-là. Celle-là aussi. Celle-ci. Voilà. Du coup, notre ville est... Si j'arrive à la trouver, hop, voilà. Notre ville est là. Alors, il va falloir créer des maisons. Et ça nous coûte un peu cher par contre. Arba télé, je crois que c'est... Oh, quoique parfois je prends Arcane. Oh, je vais prendre Arcane là. Hop. De toute façon, pour l'instant, ça rapporte rien. On va attendre que les épices fassent leur affaire. Alors, ça va nous coûter 2000 pour améliorer. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas encore eu d'autres villes de fête. Mais si je peux avoir tout le continent avant qu'il commence à venir, ça serait quand même pas mal. Voilà, maintenant on peut faire des maisons. Les maisons, c'est pas mal aussi. On va prendre appartement futur. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours appartement futur dans toutes les parties qu'on a fait. Et en tant que usine, normalement il y avait une usine qui était sympathique. Je sais plus, elle est trop poussée. Oh, Derrick est pas mal aussi. Je ne sais plus l'usine que je prenais avant. L'assistant créatif sur sport est vraiment monstrueux hein, quand même. Je vais prendre l'espèce de pompe là. Comme ça, hop, 400. Et je me rappelle plus du motif idéal. Le motif idéal, c'était quoi? Ouais, j'ai pas assez de sous. Comme ça rapporte plus d'argent. Je voudrais des maisons, s'il vous plaît. Je crois ouais, que c'est comme ça. Hop, on met une maison comme ça. Donc ça fait plus 400 encore. Ça fait plus 800. Donc d'un moment, on a pris tous les gisements d'épices. On va les laisser où ils sont. De toute façon, ils ne servent absolument à rien de les enlever de là où ils sont. On va juste attendre. Voilà. On va attendre juste ça. Que les prochaines villes se mettent en place. Hop. Ils ont mis de la déco déjà, eux. L'intérêt de la déco. Donc, est-ce qu'ils nous aiment bien? On va directement les attaquer. Convertir la ville. C'est ça, normalement, ouais. Faut convertir. Faut rester, ouais. Oui, je sais que vous devez pas être content. Hop là. Bah, on va faire ça, comme ça ils sont bien contents. Nous on va aller prendre une nation en attendant. Est-ce qu'ils peuvent se défendre? Voilà comment on convertit. Vous voyez comment on convertit comme ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai toujours mes attributs de pas beau. Ah, est-ce que je vais pouvoir les supprimer, j'espère. Mais nickel. J'en veux pas de tout ça là.
Ça m'intéresse pas. Je le préfère naturel. Voilà. Du coup, après on pourra mettre des tourelles. Mais déjà, on va se remettre une petite. Non, on va se remettre une maison juste là. Comme ça, c'est pas mal. Une petite usine. On va se la mettre ici. Normalement. Et faut que j'aille voir ce qui se passe par là-bas. Bon, on arrive à la prendre ou pas? De toute façon, les jugements d'épices, c'est tous moi qui les ai. Ah! C'est bon. Donc on a converti la ville. Attention. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme ville. Voilà. Maintenant, on a une belle ville. Oui, on va la garder en religieuse parce que on veut rester dans le religieux. C'est pour la suite, la phase d'espace est très exigeante alors. Ah, et du coup, on va se faire masse et on va aller péter les jaunes. Ils ont l'air d'avoir. Ouais, ils ont un port. Si on finissait déjà la ville d'avant, on peut switcher avec les villes en appuyant juste ici, si j'y arrive, voilà. Donc là, ils sont bien contents, voilà, ils font la fête. Moi, je vais les pourrir un peu plus. Si je peux avoir plus de sous, par contre, ça serait cool. Voilà, un peu plus de sous. Tu peux encore acheter une maison? Oui, on peut encore acheter une maison. On a acheté encore une pour mettre là. Plus de sous, s'il vous plaît. Plus de sous. T'as pas envie. Et celle-ci, elle est pas contente. C'est une petite, ça. Donc, il va falloir. On va se mettre une petite maison là. Ça sera plus de sous. Et il faudrait que je récupère un peu de ça. Mais bon, c'est déjà en train de les convertir. Hop, un petit complexe juste là pour les rendre tout contents. Il faudrait une petite maison pour mettre. Oh, quoique, on pourrait directement mettre une petite usine. Voilà. Et peut-être pas en fait. Je peux. Ouais, ça me fait exactement la même chose. Une maison plutôt. Et hop, une ville de plus. Et une. Oui, bon, on connaît la marche à suivre. Voilà. Ils ont. De toute façon, vous avez rien. Ils vont pouvoir aller récupérer les ressources. Je voudrais. Religieuse. Je voudrais finir déjà cette ville-là, s'il vous plaît. Déjà, hop. Donc. Ils sont pas plus ou moins contents. Maintenant, les véhicules religieux, vous allez attaquer les bleus. Ils sont les bleus, là. Hop, on convertit la ville. Là, de toute façon, il n'y a pas de sous. On va juste se faire ici. On va se mettre une petite usine. Comme ça, la ville est neutre. On va passer à la ville, à notre ville principale de base. On va se remettre une petite maison juste là. Et je peux pas payer d'usine. Il faut une petite usine juste là, là. Et est-ce qu'on peut avoir un petit bateau? Je voudrais un bateau, s'il vous plaît. Qu'on peut faire un bateau. Alors, 25, 25, 30, 30, 17, 30. Il me faudra un truc qui soit pas mal. 33, 17, 25. Quelque chose qui avance vite pour que je puisse les coiffer au poteau. Hop!
Donc, maintenant, on se fait. Voilà. Il est là. Yep, et une colonie de plus, et une. Bah là, de toute façon, ça commence à faire quelque chose. On a débloqué les avions. Et les avions, c'est monstrueux. Mais bon, j'ai toujours pas assez de sous pour finir ma ville. Alors déjà, une petite usine. Hop, ça fait baisser un peu le rendement. Et là, parfait. Rendement parfait. Voilà, ici c'est bon, ici c'est bon. À passer au port. Donc là, façon d'implanter sur la ville, à part si on vient de déclarer une guerre, normalement on n'a plus besoin des véhicules, donc on va pouvoir supprimer tous les véhicules terrestres. Ici, déjà ça, ça et ça. Donc la ville n'est pas contente, on va pouvoir ouais, supprimer. Je vais pouvoir. Hop, comme ça, vu qu'on en a plus besoin. Et du coup, maintenant, on va se prendre les bateaux. On va aller attaquer celui-ci. Et l'autre, si tu peux attaquer celui-là. Ce serait sacrément cool. J'ai 12 000. Non, celui-là, ça serait bien. Hop, alors, du coup, ici, ils sont pas contents. On va faire pareil, on va se mettre un complexe ici. Maison. Maison. Petite chose comme ça, avec encore plus de sources de problèmes. Et là, une petite usine là. Une petite usine là. Et 4 000, et c'est parfait. Du coup, on va pouvoir se passer ici. Et là, il va falloir. Une maison, on va se mettre une maison là, on va se mettre un petit complexe pour réguler la population. Ah, j'ai plus de sous, mais normalement là ça va commencer à prospérer sacrément. Et il va nous falloir des avions après pour pouvoir faire les. D'ailleurs, je vais pouvoir commencer à, hop, à le designer. Avion, je préfère qu'il soit plus lent mais qu'il ait plus de pouvoir. 27, 25, 31, 36. On va les faire tomber les unes après les autres. Hein. C'est vraiment ce qui est le plus simple. Donc c'était celui-ci. Hop. C'est lui qui va attaquer le mieux. Et déjà, on va essayer de finir de peupler tout ça. Donc avec une petite usine pour mettre là. Hop. Et une petite maison, on peut pas mettre de petite maison, donc c'est parfait. Il y a de la population et tout ce qu'il faut. Ouais, on a pris un gisement d'épices, je sais bien. Et du coup, si on allait s'attaquer plutôt au vert, hop là, j'aimerais bien convertir la ville. Ah, oh, mais c'est un port maritime, alors je peux avec les. Ah, ça c'est cool. 12 000 là. Des avions. Ça coûte cher les avions. C'est celle-là, ouais, celle-là. On convertit la ville. Et comme ça, après, on peut aller attaquer via terrestre. Ce qui est le mieux. Le bateau, je suis pas sûr qu'il résiste bien longtemps. Quoique je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû attaquer le violet et le rose. Il me faut plus de puissance, s'il vous plaît, il me faut plus de puissance. Qu'est-ce qui va être le moins loin? Celui-là.
Allez! Et go, go! Il nous faut cette ville-là. Déjà, mon bateau s'est fait. J'ai plus de bateau. Qu'est-ce qu'il me dit, Google? J'ai pas dit OK, Google. Ah, vous voyez ça? Ça, c'est les avions qui viennent à la rescousse. Ils sont pas très rapides, mais ils sont très efficaces. Et c'est exactement ce que je voulais. Allez! Et paf! Je suis à 18 000 là, déjà je vais pouvoir refaire toute la ville. Parfait, on va se faire vite fait la ville. Hop, hop, hop. Le complexe juste là. La ville là, ici, une autre usine avec que ça, hop, voilà, et là, une petite usine, et hop, 4 000, ça c'est fait. Donc, on va attaquer cette petite ville là. C'est qui, Marron? C'est que j'attaque. Non, non, je vais vous corrompre tous. Vous voulez pas croire à mon Dieu? Eh ben, croyez en moi. Tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous buter tous les uns après les autres. Hop! Et une de moins. Richeuse. Voilà. Alors, c'est une toute petite ville. Donc, maison. Un petit peu de complexe. Une autre maison. Et une usine pour finir. Hop là. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la Turquie. Et après, il faudra attaquer la bleue pour avoir ses gisements d'épices. Et une fois que tout sera fait, du coup, on va pouvoir comment s'appelle ça avoir une planète qui est complètement fonctionnelle pour la phase espace. Et il faut absolument, avant de passer en phase espace, avoir tous les gisements d'épices parce qu'ils ne seront pas acquéris. Via la face espace. C'est-à-dire que s'ils sont pas en face civilisation, on n'aura pas en face espace. Comme vous pouvez voir, de toute façon, ça va très vite, hein. Et du coup, hop. Pendant que je fais la décoration de celle-là. Donc, on va. Comment celle-là? C'est une classique aussi. On va se la mettre sur le côté. Une maison, un truc comme ça. Il me faut une usine là, il me faut un complexe là, il me faut une maison là. Il faudrait même qu'on mette des tourelles à chaque machine pour que ce soit protégé des ennemis par la suite. Et je vais pas commencer, mais je le ferai après. Une fois que tout sera pris, je vais mettre les tourelles partout. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah! Allez, ça c'est fait, on a obtenu le gros méga bonus, ça veut dire qu'on va convertir toutes les villes en une seule fois. On n'a plus qu'à peupler toutes les villes une par une. Ils vont tous se soumettre à moi. Hop, allez, j'échappe à tout le monde. Donc, celle-là, c'est bon. On les a toutes. On n'a plus qu'à lancer.
le programme spatial. Mais avant, on va, comme je vous ai dit, s'occuper de toutes les villes pour qu'elles soient toutes parfaites pour pouvoir ne pas avoir à revenir les refaire par la suite. C'était où qu'il fallait mettre là ou là? Il vaut mieux le mettre là. On met comme ça, on se met une maison là. Ok, non. On se met une maison là. Bon, une maison là, ça rapportera plus. Ouais, ça rapporte plus. Et du coup, on va se mettre beaucoup de travailleurs par là pour rattraper un peu la maison. Ça sert à rien d'avoir beaucoup d'heureux, hein. D'avoir beaucoup d'argent. Hein. Voilà, et si j'en mets un, c'est un peu trop. Non, c'est pas trop, ça fait 4 000. Donc là, on va pouvoir. Et malheureux. Ouais, alors. On va celle-là. Récupérer celle-là. Toi, tu récupéreras celui-ci. Il me faut une ville portuaire. J'ai ça quelque part. Là, j'en ai une. Hop. De toute façon, j'en ai plus qu'un normalement. Donc, toi. Tu récupères celui-là, s'il te plaît. Voilà. Du coup, si j'arrive à y aller, c'est sur ce petit bâtiment-là. Il me faut une petite maison, une petite voiture pour aller conquérir ce puits-là. Normalement, on est bon. Donc là, on produit en masse. Donc il suffit juste d'avoir ce qu'il faut comme maison et comme chose comme ça, normalement ce sera parfait. Tour à l'ouest, c'est intéressant, c'est après pour les pirates et les ennemis. Comme ça ils vont venir vous attaquer et vont se faire démolir par les tourelles. Comme ça prend les tranquilles. Bon, si j'arrive à cliquer, hop, alors. Et je peux vous dire que c'est long. Hein. Quand vous conquérissez les planètes de base, parce que je voudrais bien le soulèvement fanatique pour les planètes. Comme ça, vous, les planètes comme celle-ci, là, comme la nôtre, vous pouvez les avoir une seule fois. Par contre, tout le monde vous déteste. Mais vu que j'ai le projet d'être ami avec les gros, dire hein, tout le monde me déteste, c'est pas forcément quelque chose qui me déplaît. Alors, petite maison juste là, voilà, maison juste là, ici, des trucs comme ça, hop, une petite maison, là, un peu de travail, j'ai plus de sous s'il vous plaît. Normalement les sous ça doit venir rapidement, on a dit. Ah bah oui, 5 000 d'un coup, tiens. Voilà. Je ne sais pas du tout combien il peut y avoir de tourelles. Hop, les tourelles sont prises. Ici, il y en a 4. Donc, il me faut 8 000. Hop, on va se mettre les petites tourelles. Alors ici il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en faut 6, ok. Là il en faut 2, donc il faut 4 000. Encore 4 000, hop.
Ça fait sacrément longtemps que j'avais pas joué à sport et tout, et je suis toujours fan. C'est comme Minecraft, c'est des jeux qui sont un peu mal. Et du coup, si, il faudra que je regarde la prochaine. La prochaine. Ah non, il y en a encore. Il m'en faut encore. Après. Hop. Donc là, pour mettre tes petites tourelles. Vous êtes ravis pendant les phases d'exploration des galaxies quand on va devoir faire ça, mais pendant quelques temps. Parce que pendant les phases d'exploration des galaxies, c'est sacrément les colonisations surtout. Et encore, oh là. Tant de villes que ça. Là, je peux dire. Pas non plus. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, c'est bon, on a fait tout le tour. Donc du coup, on va pouvoir passer en phase espace. Donc on est resté religieux. On est au courant. C'était le but. Pour éviter les catastrophes climatiques. Alors, la petite soucoupe. Qu'est-ce qu'on va prendre comme soucoupe? On va pas en dessiner une, ça me fait peine. À 30 minutes le temps de record. 30 minutes le temps de record, c'est pas mal. Alors, oh bah, la diamante. Voilà. C'est toujours été mon vaisseau préféré. J'ai toujours fait de la diamante. Donc voilà. Et voici la dame qui sort. Le tout petit vaisseau qu'on a pour l'instant, qui va devenir énorme plus tard. Tu peux le nommer s'il te plaît? Merci. Missile. Hop. Oui, bah je connais par cœur. Hop, je suis déjà un pro, voilà. Hop, les boutons de mes collections. Comme ça, là, on peut collecter des informations pour pouvoir débloquer des items et des choses comme ça exclusifs. Allez, alors faut quitter le système solaire pour pouvoir sauvegarder. Donc je vous dis à bientôt, surtout portez-vous bien, je vous mets en ligne cette vidéo et je vous fais la prochaine juste après. Allez, à plus.